Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Shein. Alors, ça faisait un petit moment aussi, je crois. Je ne sais plus. Oui, je suis tellement sur Temu que je commente moins sur les autres sites. J'avais expliqué en vlog, je crois, qu'il fallait des chaussettes à Sam et sur le site de Temu, j'en trouvais pas des avec des pointures. Donc c'était à chaque fois de taille unique et taille unique, autant vous dire que ça fait ça. Et il fait quand même du 44. Donc elles tiennent pas les chaussettes, quoi. Au bout de 2 jours, elles sont trouées. Enfin, 2 fois qu'il les met, elles sont trouées. Donc j'ai d'abord fait une commande pour faire des pour acheter des chaussettes. Du coup, j'en ai acheté lui et je les ai plus parce qu'il les a déjà embarquées. Mais c'est des chaussettes de sport basiques avec un beau dessin au niveau de la cheville. Je vais essayer de vous afficher une photo. Je l'ai pris 2 fois. J'en ai pris une avec 10 paires et une avec 8 paires, je crois. Donc, je vous affiche tout ça à l'écran parce qu'il les a déjà embarquées. Mais du coup, moi, j'avais craqué sur des chaussettes aussi. J'ai tout qui se casse la gueule. C'était chez les hommes, il me semble. Mais ce qui m'a fait triper, c'est que c'était aléatoire. Donc on ne savait pas quel genre de chaussettes on allait recevoir. Et j'ai pris 2 sortes différentes. Donc là, j'en ai que 3 de chaque, hein, mais il y a 10 paires de chaque à chaque fois. Je vous affiche les détails. Donc il y a d'abord celles comme ceci. Voilà, vous voyez, là j'ai des omelettes, enfin des œufs au plat, quoi. Il y a des pugs, enfin non pas des pugs, des... C'est ce pug, hein, les carlins. Enfin c'est des carlins. Ici j'ai ce genre-là graphique. Voilà, j'aime beaucoup. Il y en a des trop belles. Dans celle-ci, je les ai toutes gardées, il me semble. C'est dans les autres que j'ai pas tout gardé parce qu'il y avait 2 paires qui ne m'intéressaient pas. Donc, je vais vous dire ça juste après. Je vous montre... Ah merde, là, j'ai que 2 paires. C'est pareil, hein. Mais ici, c'est toutes des... C'est le même... C'est des tés pareillés, mais dans le même genre, en fait. Donc là, ça se voit pas, c'est pas flagrant, enfin quoi que si. Non, ici, c'est pas flagrant. Enfin, vous le voyez sur la chaussette en elle-même, vous voyez, elles sont dépareillées. Donc, mais celle-là, c'est vrai que c'est pas les plus flagrantes. Mais alors, regardez celle-ci, par exemple. Voilà, les pingouins. C'est trop bien, là, vous les avez dans l'eau et ici, dans... Vous voyez, ça fait un peu comme la continuité, en fait. Bah pour celle-là, hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes. Voilà, vous voyez, si vous les mettez comme ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes, j'ai pas fait attention. Mais j'aime trop, c'est trop génial, il y en a des trop belles. Et celle que je préfère, c'est celle avec les avocats. Elles sont vraiment canons. Celles avec les petits oiseaux sont très belles aussi. Et du coup, dedans, il y avait une paire avec des Formule 1. Et je les ai données à mon frère pour qu'il les donne à mon neveu, puisqu'il est fan de Formule 1. Et il y avait une avec un pêcheur. Donc, vous aviez un pêcheur sur une chaussette et le poisson au bout de la canne à pêche sur l'autre. Là, je les ai donnés pour le fils de sa conjointe, de sa copine, puisque il est fan de chaussettes, il est comme moi. Donc, voilà, c'est le cadeau de Noël de base qu'il a, c'est des chaussettes. Et je sais que ça va lui faire plaisir, donc voilà. Donc, on va passer à l'étape... oui, j'ai fait une deuxième commande après, juste pour... un article, ben, je vais commencer par cet article-là. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses, hein, mais... Ah oui, et avec les chaussettes, on va faire dans l'ordre des commandes. Hein. Du coup, pour avoir les frais de port gratuits, j'ai commandé ça. C'est trop beau. C'est un support que vous mettez, celui-ci, devant votre clavier, par exemple, pour poser vos poignets et celui-ci devant la souris. Alors, ils sont déjà un peu cracra parce que je les utilise depuis presque 2 semaines maintenant que j'ai déjà reçu la première partie de la commande. Et j'adore ça, franchement, ça fait du bien, mes poignets, surtout, je les utilise quand je fais du montage ou quand je joue, pas quand je réponds à des mails et tout ça, parce que je réponds jamais à 20 mails d'un coup, mais quand je joue, et quand, ouais, quand je fais du montage, pour vraiment mettre mon poignet, enfin, notamment l'autre, puisque je fais sur le clavier avec celui-là, et la souris avec celle-là, et ben du coup, ça fait super du bien, vous n'avez pas le poignet qui part en cacahuète, comme ça, franchement, j'aurais pas pensé, là je les ai pris parce qu'ils étaient en promo et pour avoir les frais de port gratuits et que j'ai trouvé joli en forme de nuage pastel comme ça. Mais du coup, j'adore.
Alors, j'ai commandé la deuxième commande parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé le lien d'un livre qu'elle a vu, qu'elle m'a dit, il faut trop que tu te le prennes, tu feras des trop belles choses avec, surtout avec les beaux fonds que tu fais. Et c'est celui-ci. Alors, c'est Space, hein. Macabre Beauties. Il y a 22 coloriages à l'intérieur, donc c'est un qui s'ouvre en calepin. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, vous les verrez au fil du temps, mais voilà, je vous en montre 2-3. Celle-là, elle est splendide. Donc voilà, elle m'a dit ça sera trop beau avec ce que toi tu fais. Donc je vais pouvoir le couper, le mettre dans un de mes rangements. Il faut que j'en enlève 4 qui me plaisent moins pour qu'ils rentrent dans mon porte-vue parce que j'ai pas assez de place sinon pour tous les mettre. Voilà, ou alors je les fais. Je pense que je vais en sélectionner 4 que je ne garderai pas forcément, que je demanderai l'adresse à la personne qui m'a. D'ailleurs, voilà, tu vas certainement regarder le haul. Ah, parce que j'arrive pas à retenir son pseudo, je suis désolée, hein. Mais envoie-moi par mail ou par message privé sur Insta ton adresse, ton nom, ton adresse et tout ça, tout ça. De toute façon, je reconnaîtrai ton pseudo. Et les 4 que moi je garde pas, je te les ferai pour toi et je te les enverrai. Voilà. Je sais pas si ça peut te plaire, mais voilà. Donc voilà voilà, j'ai commandé pour ça qui était pas bien cher. Du coup, j'en ai profité pour prendre, ça faisait un moment qu'ils étaient dans mon panier. C'est des pinceaux à réservoir d'eau. Et du coup, vous avez 6 tailles différentes. Alors, depuis que j'ai découvert les pinceaux à réservoir d'eau, j'adore ça. Vous n'avez plus besoin de tremper dans un petit pot et tout. Et il y en a là un tout gros et ici un tout petit. Donc c'est génial. Il y en a des 3 ronds et 3 plats, je crois. Ouais, c'est ça. Les 3 ici sont plats et là, ils sont style liner, quoi. Donc c'est super bien et ouais, j'adore utiliser ça. Je trouve que ça c'est tellement plus pratique qu'un pinceau avec un petit gobelet. Alors en accessoires, alors ça c'est salle de bain, ça c'est fringues, ça c'est salle de bain. Oui, il y a pas mal pour la salle de bain. Hein. Je me suis repris parce que je vous ai dit les miens ont disparu. Un masque pour dormir, donc j'ai pris un des moins chers, hein, mais voilà qui me plaisait. Comme d'hab du pilou pilou. En dégradé pastel. Il faut que j'en recommande un autre, comme ça j'en ai un en bas, un en haut, comme je fais d'habitude, mais sauf que tous les miens ont disparu. Donc j'accuse Sam et également les chiens. Mais voilà, je m'en suis déjà pris un, et prochaine commande que je fais sur un site ou sur un autre, je m'en reprendrai un deuxième. Mais c'est vrai que maintenant j'ai tendance à mettre celui que je vous ai montré sur le hall Temu, qui prend vraiment toute la tête pour la migraine. Parce que ça fait vraiment du bien. Dernier accessoire, je me suis pris un serre-tête avec un nœud. Donc c'est un nœud avec du fil de fer à l'intérieur. Donc vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Et vous savez à quel point j'adore les serre-têtes. Vous savez à quel point j'adore les nœuds. Et je trouve ça trop joli. Mais je crois qu'on peut le glisser aussi. Ouais, on peut le glisser sur le serre-tête. Donc vous pouvez le mettre plus sur le côté. Chose que moi je préfère. Hein, après ce suivant. Oh. J'adore. Je trouve tellement classe, moi, les nœuds. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant les nœuds. Mais j'adore ça. Alors, j'ai pris deux. Alors, c'est deux leggings noirs. Hein, voilà, rien de très incroyable. Sauf que là, j'ai pris, c'est un 3/4. Donc, voilà. Il n'y a rien, vraiment rien de spécial. Sauf dans le bas, il est un petit peu ondulé. Donc, il paraissait beaucoup plus ondulé. Vous voyez même pas, quoi. Ah si, attendez, je vous mets le truc ici. Beaucoup plus ondulé sur l'image. Mais bon, écoutez, pour mettre en dessous d'une tunique ou d'un t-shirt pour l'été, traîner, si on fait un barbecue et tout ça, c'est très bien. Et j'en ai pris un parce que j'ai adoré le principe. Donc là, c'est un long, hein, il n'a rien de spécial. Sauf qu'il y a la jupette qui va avec. Voilà, et moi, j'aimais bien. Puisque moi, j'adore mettre des petites jupettes comme ça. Donc, il est déjà dessus. Pas besoin de s'emmerder. Vous mettez ça, un petit top, et vous êtes habillé. Alors, on va pouvoir passer à la salle de bain. J'ai d'abord commandé 4 crochets. Alors, j'ai pas ouvert la boîte pour pas les perdre.
Et du coup, je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Je me pétais un ongle, ouais. Donc, il y en a quatre. C'est des petits crochets comme ça que vous pouvez fixer à la paroi de douche pour accrocher vos essuies et tout ça. Bon, chérie, quand je lui ai dit que j'avais commandé ça, elle m'a dit « On met rien à la paroi !» Bon, ok. Au pire, on les mettra à la porte du meuble ou un truc comme ça. Ou il trouvera un système pour me les fixer au mur, tout simplement. Et puis, écoutez, il se démerdera. C'est lui qui ne veut pas les mettre après la paroi. Donc, il se démerdera. Dans le même principe, j'ai commandé... Alors, attendez, j'en déballe un et je reviens. Voilà, j'ai commandé ce système-là. Donc, c'est des autocollants. On verra si ça tient. Mais pour accrocher, vous savez, ma petite raclette pour nettoyer la petite brosse et tout ça, ils s'enlèvent pour les coller. Et voilà, tout simplement, j'en ai pris 10. C'est pas perdu parce que, pareil, on peut les coller sur le côté du meuble pour accrocher des choses et tout ça. Ça ne se verra pas. Et voilà, et puis au pire je peux toujours en coller aussi dans ma cuisine si j'en ai trop, mais je vais ranger ça avec tous les accessoires de salle de bain qu'on a déjà. D'ailleurs il nous manque plus rien en fait, hein. Là j'achète un peu J'ai également pris un dérouleur de PQ Donc là, on ne voit pas du tout à quoi il ressemble. Je vais vous afficher une photo. Vous avez la petite plaquette au-dessus et la pince pour mettre le rouleau de PQ, tout simplement. Parce que chérie a regardé pour en prendre un en métal noir pour mettre dans la salle de bain pour aller avec le carrelage. Et il a été au magasin de bricolage, il a regardé, ça coûtait la peau du cul. Et chez Action, c'est de la gnognotte, quoi. C'est ceux en plastique, là, pas très beau. Donc là, voilà, j'ai dit, au moins il pourra poser son téléphone... tant qu'il est aux toilettes, ou même tant qu'on est à la douche, puisque le WC est juste à côté de la douche. Tant qu'on est à la douche, parce que Sam aime bien écouter la musique, par exemple, bah, il pourra le poser dessus aussi. Donc voilà, j'ai pris ça, c'était pas bien cher. Ah, j'ai encore un accessoire que j'ai oublié de vous montrer. J'ai repris un autre tapis de douche parce que je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Donc ça, je prends des petits parce que comme ça, au moins, il passe bien au niveau de la sortie de douche. Et je me suis dit, comme ça, quand il y en a un que je dois laver, bah, j'ai toujours l'autre de remplacement et je l'ai trouvé trop mignon et il est super doux. Donc ça va être très agréable pour la sortie de la douche. Et dernier accessoire, donc là c'est un lot de deux, mais je vous en montre qu'une puisque l'autre, je la laisse emballer puisque c'est pour mettre après ici en haut. L'autre c'est pour mettre dans la toilette en bas. J'ai pris une brosse à chiottes en forme de cerise. Elle est trop belle. Genre j'ai regardé, il me disait, oh c'est une jolie déco et tout. Ben, je dis non, c'est pas une déco. C'est une brosse à toilette. J'adore. Et franchement, c'était 13 euros les deux, je crois. Ça va, hein, parce que quand on voit le prix d'une brosse à chiottes, ça coûte la peau du cul. Oui, parce que celle en silicone que je vous ai présentée avant, ça nettoie pas très bien. Hein. Mais par contre, l'autre, elle peut être bien pour nettoyer, vous savez, au niveau de la planche des toilettes, de la montée et de la descente de la planche des toilettes. Elle peut être pratique pour nettoyer d'autres choses, mais pour nettoyer l'intérieur du chiotte, c'est pas incroyable. Donc, chérie voulait une classique, mais moi, je voulais une qui fasse déco en même temps. Et voilà, j'ai trouvé. Il y avait en vert aussi, mais voilà, une cerise, c'est rouge. Et le dernier tout petit accessoire, donc là, j'ai pris un lot de deux. C'est des petites terres comme ça, en forme de nuages. Vous voyez, c'est pas vous poussez juste. Je crois qu'il se rétracte tout seul, si je dis pas de bêtises. Alors attendez. Mais c'est pratique pour ouvrir les petits colis que je reçois tout le temps. Après, moi j'utilise énormément de cutter hein, ici. Enfin, j'en utilise pas plusieurs, enfin, j'utilise beaucoup le cutter. Oui, vous voyez, c'est. Ça rentre tout seul, quoi. Bon, après, c'est sûr qu'une fois que la lame est abîmée, vous jetez. Hein. Mais je crois que j'ai payé un euro les deux. Mais voilà, pour ouvrir un colis, bah, c'est fait pour. Hein. Ça va vite. Ou vous coupez juste une petite feuille, par exemple. Là, j'ai changé mon cutter hier. J'ai coupé... vous voyez, les livres qui s'ouvrent comme ça, je coupe le bout au cutter ici avec une latte pour couper droit. Et après, je glisse les feuilles dans un porte-vue. Sauf que, ben, j'ai pas fait attention. Le cutter était tout neuf et tout. Et du coup, j'ai coupé dans mon tapis de souris. Je suis dégoûtée parce que c'était mon préféré, celui avec les fleurs.
je suis complètement dégoûtée. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense que je me recommanderai le tapis de souris et que je mettrai l'autre ici en haut. Donc voilà pour mon petit haul Chine. Vous voyez, j'ai été raisonnable en sachant que la deuxième commande, c'est juste à cause de ça. Hein. Merci les abonnés. Mais ça va, parce que c'est des choses qu'il me fallait. Les crochets, on en cherchait et tout ça. Les brosses à chiottes aussi. Donc, je suis contente d'avoir trouvé tout ce qu'il me fallait. Et mes chaussettes, je suis red dingue de mes chaussettes. Voilà. Donc, dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent, si le genre de livre, si le livre, si c'est le genre de coloriage qui pourrait vous plaire, si la brosse à toilette aussi vous fait kiffer. J'adore. Et si mes chaussettes vous plaisent. Voilà, dites-moi tout ça. Donc, voilà ce qui conclut ce haul. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.